Coucou les filles, je vous retrouve pour vous faire une vidéo produit fini. Racheter ou pas? Donc j'ai toujours la même tronche que la vidéo précédente, parce que je pense que celle que j'ai faite, ça, le haut je le mettrai avant. Donc j'ai mis ça toujours dans mon petit sac L'Occitane. Donc je vais vous dire si je vais le racheter ou si par quoi je vais remplacer éventuellement si j'ai le produit sous la main. Donc un shampoing très doux de chez Dope. Donc qui sent très bon, qui était très bien, que je pense racheter mais pas tout de suite parce que c'est pour cheveux normaux et moi mes cheveux sont devenus secs. Je l'ai remplacé par celui-ci que je vous ai présenté dans le haul, donc j'essaierai de le mettre avant. Et par un shampoing 1-2-3 Expert. Ensuite, mon masque pour les... Enfin, il y a marqué après shampoing, mais moi j'utilise en masque. Le Rafistoleur, donc de chez Lush. Donc, je l'ai remplacé par un masque de chez Timothée. De la gamme Nutrition Intense. Donc, à l'huile d'avocat, je crois. De noix, avocat, macadamia. Et donc, j'irai le racheter, bien évidemment. Parce que vous savez que j'aime beaucoup Lush. On a encore maintenant. Ensuite, un après-shampoing de chez Timothée. Donc, c'est celui-là que je vous parlais dans le haul, que je voulais racheter et que j'ai pas trouvé, que donc j'ai pris ça. Donc, je l'ai remplacé par celui-ci. Et si je le retrouve, bien évidemment, je le rachèterai parce que je l'adore. Ensuite, mon super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc, que j'irai racheter également parce que je l'adore. Et que j'ai remplacé par le super démaquillant yeux que j'aime un peu moins parce que c'est vrai que pour le waterproof c'est pas, ça part pas très bien. Oups, j'ai tout fait tomber. Je l'aime beaucoup et je suis un petit peu dégoûtée qu'il soit fini. Ensuite, la crème de douche toilette et corps et toilette intime de chez Intima. Donc en fait ça je l'utilisais pour me laver le matin. Genre, il y a des jours où vous n'avez pas spécialement envie de prendre une douche, il fait froid et tout. Donc le matin, vous n'avez pas spécialement envie de prendre une douche, mais il faut vous laver quand même, quoi. Hein, on est d'accord là-dessus. Et donc, je mets ça à côté du bababo, comme dire ma fille, du bababo. Et je me lave. Et donc, généralement, je prends les gels douche que j'aime pas trop ou alors que je kiffe. Et que j'ai pas envie de terminer trop vite. Et donc, quand je les mets à côté du bababo, je les termine pas super vite. Donc celui-là, je ne le rachèterai pas. Et je l'ai remplacé par un Dope à la framboise. Oh maman, qu'est-ce qu'il sent bon. Voilà. Ensuite, un truc qu'on a eu dans la Bitrousse. C'est le Nobiol, Beautific Nobiol. Donc c'est une boisson beauté, je sais pas quoi. Donc il y en avait deux, j'ai bu les deux, mais j'irai pas le racheter ou quoi. C'était plutôt bon. Donc voilà, pourquoi je l'ai bu. Ensuite, bah non, j'ai pas fini ça. Mon déo Narta Protection 5, donc que je remplace par le même. Ce déo est juste top. D'ailleurs, il va falloir que je rachète encore celui-là. Ce déo est juste top. Il sent bon, il protège. Sincèrement, c'est le premier déo que je trouve qui fait autant bien son boulot. Ensuite, de chez Nivea, un lait de maquillant visage et yeux. Alors, moi, il faut savoir que je préfère les laits, même si j'en utilise moins, étant donné que je teste un peu tout. Je préfère quand même les laits et celui-ci, c'est juste une tuerie. Déjà, il sent. J'ai le hoquet. Déjà, il sent super bon. Il démaquille très très bien. Waterproof, pas waterproof, tout ce que vous voulez. Et je l'aime beaucoup. Donc, j'irai le racheter, bien évidemment, même s'il coûte une blinde. Franchement, ça coûte 7 euros. C'est un 200 ml. Alors, ça dure très longtemps, hein, je vous l'accorde. Mais ça coûte une blinde. Alors, je l'ai remplacé par le lait démaquillant hydratant bio de chez Mixa, que j'aime un peu moins. Qui sent très bon mais que j'aime un peu moins et que j'ai du mal à utiliser, donc du coup bah j'utilise le démaquillant Sephora. En fait j'arrive pas à trouver un lait démaquillant meilleur que celui-là à part le Kibio. Oh, le Kibio les filles, j'ai testé un Kibio, c'est juste une tuerie ce truc, donc il faut que je me l'achète. Donc voilà, ça va être une vidéo courte, en plus j'ai parlé comme un blablabla, j'ai eu un débit assez violent, mais voilà. Vous voyez, je suis pas super chiante. Non, ça je vais pas. J'ai limite quasiment tous les produits que je vous ai montrés, je vais les racheter. Donc je suis pas la chiante.
À part deux. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo très courte vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné encore des idées d'achat, ou que ça vous aura freiné sur un produit, ou montré que ça servait à rien de l'acheter, je sais pas, peut-être, je ne sais pas. C'est vrai que je me suis pas trop attardée sur les produits du style Laura Pistolaire, parce que je vous en parle tellement souvent que je me suis dit que ça servait à rien de passer 2 heures dessus. Mais ça c'est une tuerie quoi, sincèrement, ce produit là... Il est génial. Donc les filles, je vais vous faire des bisous. Des bisous tout doux, des bisous tout mou. Et je vais vous dire, comme à chaque fois, hein, à la prochaine vidéo. Bye bye.